1, 2, 3, 4. Coucou Muriel, je viens près de vous. Coucou Sam, Sophie, merci, merci, merci. Vous m'entendez bien, toujours? Merci de me fêter mon anniversaire. En ligne, c'est du bonheur. Oui, je vais pouvoir en parler de mon sapin. Je vais en parler de mon sapin, Sophie. Allez, connectez-vous et venez me voir. Je vais ralentir un petit peu parce qu'apparemment vous m'entendez bien. Jean-Pierre, toi qui es mes oreilles. Jean-Pierre, toi qui es mes oreilles, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce que tout est OK? Salut les amis, salut Kader, Elisabeth, Jean-Pierre te souhaite un très bon anniversaire et moi je vous embrasse mes amis. Enfin, je vous souhaite pas un bon anniversaire hein, parce que c'est le mien, c'est pas celui de ta mère. Allez, connectez-vous les enfants. Vous avez pensé à votre bouteille d'eau? Coucou Christelle. Le son et l'image, ok? Super. Bon, je vais ralentir un petit peu mon retour. Voilà. Allez, connectez-vous les enfants. Merci, en plus j'ai des choses à vous dire. Hein. Donc c'est du bonheur. Allez, connectez. Mettez-moi des pouces, des cœurs pour pouvoir commencer l'activité ensemble. La famille Champon, au grand complet. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Mettez-moi des pouces, des cœurs. Allez les enfants. Happy birthday. Merci Christelle. Merci Sandrine. Merci de me souhaiter bon anniversaire. Vous avez vu, hein? Le sport, ça... ça fait durer dans le temps, hein. Je vous rappelle quand même mon âge, 57 ans, mon legueux, hein, 57 ans. Eh bien, dis donc, coucou Sandrine, bienvenue, connecte-toi, sans problème. Hein, 57 ans, les enfants, vous voyez bien. Allez, on va commencer à 10, hein, le temps que tout le monde arrive. Alors, connectez-vous gentiment. Est-ce que vous avez préparé votre bouteille d'eau? Est-ce que vous avez préparé un tapis si vous avez des voisins en dessous? Si vous n'en avez pas et que vous avez la chance, comme certains, d'habiter dans une maison, hein, comme par exemple le petit jeune là qui me parle, eh bien, vous avez de la chance. Hein, c'est super, donc vous n'avez pas de voisin en dessous. Moi, j'ai un voisin en dessous, d'ailleurs, qui est monté la semaine dernière pour me demander ce qui se passait. Ben, je lui ai dit que je faisais une séance. Donc, comme il est conciliant, donc ça va. C'est un copain qui fait du crossfit. Donc, c'était sympathique. Voilà, la petite bouteille d'eau, le tapis pour pouvoir mettre les bâtons. La séance, vous savez que vous pouvez la refaire en replay. Coucou Mélanie,
Alors, bienvenue. Tu m'enverras un message en privé tout à l'heure. J'ai quelque chose à te dire pour tes cervicales. Quelque chose qui m'intéresse vraiment. D'accord? Alors, mettez-vous en place. Allez, venez. On va avancer gentiment, gentiment. On va préparer. Vous avez des bâtons de marche nordique, c'est très bien. Sinon, deux balais. Deux balais pour pouvoir faire l'activité. Vous allez voir, on va faire quelque chose de super sympathique ce soir. J'en ai envie. Et ça va être du grand, grand bonheur. Alors, je prendrai la parole d'ici quelques instants. Allez, venez. Connectez-vous. C'est pas mal. Encore un petit peu. C'est mieux. Pas obligé. Allez, venez, venez. Allez, on va commencer d'ici une bonne minute. On commencera par l'échauffement, bien sûr. On coupera ce petit montage-là pour mettre sur la chaîne YouTube. Hein, kaderchannelcoachsanté.com. Ça, vous savez faire maintenant. En replay ou bien à nouveau sur la page Facebook. Vous savez faire maintenant. Alors, je peux toujours faire sur ma page YouTube, qui ne s'affiche pas là pour l'instant. Et pareil ici, hein, sur ma page Kader Chemlel, le coach santé, qui ne s'affiche pas aussi sur, ici, ma page Facebook. Ok. Allez, on se connecte. Alors, mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs, que je puisse voir qui est présent et si on va pouvoir commencer l'activité. Allez, les enfants. On va faire à peu près 45 minutes de Nordic Fit. Hein? Voilà, je vois. Oui, j'ai des cœurs. J'ai des gens que je connais, j'ai des gens que je connais pas. Oui, on voit, c'est solidaire avec tout le monde. On va saluer tous les gens de ma cascade. Je vais saluer tous les gens de la cavalcade, donc du premier confinement. Tous les amis des clubs Bellambra, toutes les nouvelles personnes qui arrivent de MyWeb TV. Donc, vous êtes les bienvenus et vous pouvez vous connecter, vous avez vu, gratuitement sur cette page Facebook Kader Chemlel. Alors, on va commencer. Il est 6, c'est très bien. Alors, j'aimerais simplement vous remercier pour la première des choses. Merci de m'avoir souhaité, plutôt de m'avoir rappelé mon grand âge, puisque cette année, à nouveau, au même endroit, même place, je viens de prendre un an. Alors, le sport conserve, j'ai 57 ans et je suis heureux de les avoir. Par contre, là où je suis fâché, c'est qu'aujourd'hui, Joe Biden va prendre ma place à 18h. pour faire son investiture. Alors, il aurait pu faire ça un autre jour. Hein. Il aurait pu changer aussi. Mais là, le gars, il le fait ce soir. Quoi. Genre, il n'a pas demandé qu'on avait, nous, un live. Quoi. Donc là, je suis un petit peu vexé. La troisième des choses, c'est que, vous avez vu, j'ai mon sapin de Noël qui se trouve ici. On est le 20 janvier. Ce soir, Jean Castex doit nous annoncer certaines choses, puisqu'ils sont en réunion ministérielle, donc on verra demain ce qu'il va nous annoncer. Mais je vous avais bien dit, le 20 janvier, c'est une date butoir pour nous. On va voir à quelle sauce on va être mangé. En 1, Joe Biden qui prend ma place. En 2, Jean Castex qui, lui, va parler de cette nouvelle réforme qui sont en train de nous pondre. En 3, mon anniversaire.
en 4, mon sapin de Noël. À partir de ce soir, c'est-à-dire que mercredi prochain, il n'y aura plus de sapin de Noël et j'en suis désolé. Ça sera comme ça et pas autrement. D'accord ? Alors, aujourd'hui, une petite séance de Nordic Fit Cardio. Avant ça, j'aimerais vous annoncer les gens de la cascade. Je ne sais pas si vous êtes présents, ceux du pays de Montbéliard. Je viens d'avoir une information. Je vous avais promis que samedi, nous marcherions samedi matin avec les trois animatrices au Montbard. Et apparemment, le Montbard est sinistré. Il y a trop d'arbres qui, sous le poids de la neige, se sont abattus sur le parcours de santé du Montbard. Donc, je vais vous envoyer un mail aux gens de la cascade pour vous dire que samedi matin, 10h, rendez-vous marche nordique à Coteaux-Jouvent. Voilà. Coucou Kat, bienvenue à toi. Ok, alors est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a une paire de bâtons de marche nordique? Si vous les avez, vous me les montrez. Hein, vous me montrez les bâtons? Dites-moi que vous avez vos bâtons et qu'on est ok. Si vous n'avez pas vos bâtons de marche nordique, c'est pas très grave. Vous savez qu'avec moi, on peut tout faire. Vous n'avez pas de bâton de marche nordique? Vous voyez, chez moi, j'ai un bâton pour récurer. Ben oui, c'est quand même moi qui fais le ménage chez moi. Hein. Non, voilà. J'ai aussi un autre bâton pour pouvoir faire, pour lustrer mon parquet. Vous avez vu comme il est beau. Eh bien, je vais aussi l'utiliser. On ne peut pas se dire qu'on ne peut pas faire d'activité physique avec le coach Actée Santé. Ce n'est pas vrai. Très bien. Je vous rappelle également que tous les matins, 8h40, 18h40, vous avez une thématique différente sur France Bleu, Belfort, Montbéliard. Écoutez les thématiques, elles sont très intéressantes et vous pouvez les podcaster également. Mais vous allez sur mon site internet, vous savez faire aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est ok? Vous avez vos bâtons? On est parti. Alors, top générique de la cascade. Échauffement. Nous allons faire les exercices tous 15 fois. Bienvenue Sylvie. Allez, on s'échauffe. On s'échauffe les mollets. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sur un appui, je me mets de face. On va faire sur deux temps. 1, 2, lever le genou. 1, 2, lever le genou. 1, 2, lever le genou. Droit. 1, 2, lever le genou. Gauche. 1, 2, lever le genou. Droit. 1, 2, gauche. 1, 2, droit. 1, 2, gauche. Droit. Gauche. Encore. Vous levez bien haut le genou à la hauteur, regardez bien, de mes poignets. Comme si on faisait des montées de genoux. Alors si vous ne pouvez pas faire un exercice, c'est pas grave, vous faites le suivant. 2, 3. Vous montez. On est à l'échauffement les enfants. J'espère que tout va bien pour vous. Que vous avez commencé un bon début d'année. Allez, encore. Ok, on continue. Alors nous avons Isabelle qui nous rejoint, les gens de la cascade. Coucou et bon anniversaire et je te remercie. On va maintenant monter en alternance. Ici, regardez bien, les bras en même temps que les jambes. Je déroule pointe de pied. Merci, merci de m'avoir fêté mon anniversaire. Mais ne vous dites pas que le coach a pris un an, il est plus vieux, il sera plus fatigué et il nous engueulera moins. Ça, c'est pas possible. Le coach sera toujours le coach. Allez, vous tendez bien vos bras, on commence à chauffer les mollets. Encore. 8, 9, 10, 11. Tout le monde suit? 13, 14, 15. On relâche. Ici en opposition,
Regardez bien. Ici, si je lance en opposition, c'est mon bras droit et ma jambe gauche. Ici, je monte. Regardez mes bras. Avant, arrière. Regardez bien. Genou, devant. Mon bras est devant. J'emmène derrière. Je remonte. Allez. 15 fois. 1. Montez. 2. 3. 4. 5. 6. Montez bien haut les genoux. 7. Lancez derrière. 8. Les bras alternativement et en opposition. Si c'est votre bras droit, c'est votre genou gauche en même temps. Alors je crois que ça fait 8. Ça fait 9. Ça fait 10. Ça fait 11. Et 12. Et 13. 14. Et 15. Super. On change. Maintenant, c'est mon genou droit qui est levé, mon bras gauche. J'emmène derrière. Regardez bien, je me mets en miroir face à vous. Genou droit. Je vais me décaler de mes masques. Genou droit. Bras gauche. En arrière. Devant. En arrière. Devant. En arrière. Allez. Encore. Vous voyez, c'est accessible. Hein? Si vous ne pouvez pas en faire 15, vous en faites que 10, les enfants. Pas de problème. Allez, on les enchaîne. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore, encore. On se challenge un petit peu. Allez, encore 1. Et on arrête. Oui, très bien. Ok. En position de demi-squat gentiment, je descends les bras tendus vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Je remonte, bras tendus. Je descends les fesses en arrière, je remonte. Une, descends. Deux, descends. Trois, encore. Quatre. Balancez bien les fesses en arrière s'il vous plaît. Le dos bien droit. Encore les enfants. Encore. Ça, je crois que ça doit faire 8. 9. Ouais, c'est super. On va monter crescendo. Hein? Encore. Encore les enfants. 10. 11. 12. 13. 14. Et 15. Je change moi de bâton. Pour prendre mes bâtons de marche nordique. Attention, les enfants, regardez bien, vous regardez l'exercice, je descends en squat, je remonte pointe de pied, j'enfonce les talons, je descends les fesses en squat, je pousse, je finis pointe de pied. On est ok, c'est parti. Je commence à compter. Une, deux, 3, descendez pas trop bas si vous avez mal aux articulations. Ça fait 4. Ça fait 5. 6. Ça fait 7. Ça fait 8. Ça fait 9. Ça fait 10. Et 11. Et 12. 13, encore, on se challenge, 14, pointe de pied, 15, on relâche. Maintenant, on marche rapidement, durant 15 secondes, on est prêt, c'est parti. Avec les bras qui bougent, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, encore, 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 encore. 5, encore, 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 4, 3, 2, 1, on relâche. Montée de genoux. Ici, les montées de genoux, c'est le genou à la hauteur des mains. 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, haut,
Oh, on reste bien droit, bassin bien positionné, montez le plus haut possible. Oh, oh, montez, oh, oh. Allez, encore, encore. 4, 3, 2, 1, vous relâchez. Ok, maintenant on va faire fente avant, largeur d'épaule. Les bâtons sont positionnés, je pose mon pied droit. Fente avant, je descends jusqu'à ce que mon genou touche le sol et je remonte. Une, je pousse mes bras vers l'avant, je remonte. Deux, et trois. On est ok? Vous êtes parti? C'est parti. Une, je touche, je remonte. Je descends, touche, monte. Touche, monte. C'est super, on y va. Quatre, génial. Encore, cinq, encore. Six, sept, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, on change de côté. Jambe gauche devant, on descend. Allez, on touche le genou au sol. Si vous ne pouvez pas, si vous avez mal, vous l'effleurez et vous remontez. D'accord ? Alors bien sûr, pour la correction, je reste bien droit. Je ne pousse pas mes fesses en arrière. Je reste toujours bien droit. J'appuie sur mes bâtons pour remonter. Allez, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. 11, 12, 13, 14 et 15. Super. Ok. Un petit exercice maintenant pour faire travailler la partie supérieure. Ici, vous relâchez vos épaules. Bassin bien positionné. Regardez bien. Inspire, je lève. Écartez les bras. Emmenez les mains sous les aisselles. Faites tomber les bâtons, sous les aisselles, tendez, ramenez, soufflez, tendez, ramenez, en bas, sous les aisselles, ok? Faites des essais, vous êtes prêts? Je sais que les gens de la cascade l'ont déjà fait. J'aimerais que les autres aussi, MyWeb TV, vous êtes les bienvenus, regardez bien, bras tendus, sous les aisselles, descendez, remontez, tendez les bras. Alors, avec bâton de marchandise ou des balais, manche à balai, ça va très très bien. On y va. 1, tu souffles. 2, tu souffles. 3, tu souffles. 4, tu souffles. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ouais, superbe. Allez, alors maintenant on alterne jambes et bras en même temps. Regardez bien. Je vais prendre que mon bâton droit, je vais me mettre face à vous. D'accord? Ici, on va travailler la proprioception. Ici, je tends mon bras, je ramène mon bâton. Que d'un côté. Je sais que c'est difficile, mettez-vous à côté d'un mur si vous voulez, ou quelque chose pour pouvoir vous rattraper. Ici, j'y vais pour 15 fois. Une. Je lance mon bâton devant, je lance mon genou vers l'avant, mon bâton vers l'arrière. Bras vers l'avant, genou vers l'arrière. Une. Deux. Trois. 4, on travaille l'équilibre. 5, 6, le renforcement musculaire au niveau de la cheville qui reste, elle, posée au sol. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Formidable, on change de côté. Genou gauche, bras droit. Allez, 1. 2, c'est bon ça pour le skating. Qu'est-ce que t'en penses, Christelle?
Une et quatre. Deux, ça sera pour bientôt, ma quatre, tu verras. Tu vas revenir plus forte. Allez. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs. Tous ceux qui ne participent pas, ici, bras tendus vers l'avant, les fesses vers l'arrière, vous étirez bien sur les ischio-jambiers, vous remontez. Ici, les ischio-jambiers, je rappelle, derrière la cuisse. Mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs. En regardant la séance, la tête est reposée, vous remontez. Bien droit. Le dos, les épaules sont bien droits. Et vous remontez. Attention, pas les fesses comme ceci. Non, les fesses sont rétroversées. J'engage, je remonte. Une. Deux. Bonjour Magali. Tu es la bienvenue si tu veux faire de l'activité physique. Nous avons même des championnes de cross-country avec nous. C'est vraiment du bonheur. 8, 9, 10, 11. Tendez les bras vers l'avant. Encore. 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 Oui, c'est super. Allez, maintenant, on va marcher rapidement. Coucou, merci, merci, merci. Coucou Sylvie, bienvenue. Allez, les mollets, les mollets, les mollets, les mollets. Allez, encore. Une, deux, trois, quatre, cinq. Oui, c'est bon pour le skating, hein, vous avez vu ça. Encore, 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 encore. Encore, 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 encore. Encore. Super. Ok. Allez, vous marchez un petit peu. Alors, on va maintenant, regardez bien, je vais me mettre face à vous. On va mettre un coup de genou à la main. Le genou gauche, main droite. Genou droit, main gauche. Ici, je touche sur le côté. Coucou Théodore, bienvenue. Allez, vous touchez là-haut. Encore, encore, encore. Shootez, 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 encore. Mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs. Allez, vous savez, je suis friand, j'attends tous vos commentaires. Alors, je rappelle... Pour les gens de la cascade qui sont présents, samedi, nous n'irons pas au Mont-Bar faire de la marche nordique, mais à Coteaux-Jouvent, je vais vous envoyer un mail. Le terrain est impraticable au Mont-Bar. Encore, encore, encore. Super, vous arrêtez maintenant. On passe son pied derrière. Christelle, Kat, Sandrine, vous allez être contentes, hein, on fait du skating. Regardez bien, mon pied va bien loin derrière. Ici, derrière. Ne me remerciez pas les filles, c'est normal, derrière. Pour toutes celles et tous ceux qui font du ski nordique, qui font du ski de fond, qui font également du skating, regardez la préparation physique que nous avons. Allez encore. Allez encore. 8, loin derrière, regardez bien, je vais chercher bien loin derrière. 9, encore. Et 10, derrière, et 11, ici, encore, 13, encore, oui, 14, et le dernier, 15. Allez, vous marchez un petit peu, vous soufflez gentiment, vous soufflez gentiment. Un petit entraînement pour samedi, apparemment, Sandrine. Eh bien, alors, ce qu'on va faire, on va continuer dans cette même thématique. Attention. Ici, on sait qu'on va utiliser aussi la force des bras et des épaules. Regardez bien. Tout à l'heure, nous sommes descendus en fente avant. Vous descendez en fente avant, bras tendus, et vous dégagez les épaules vers l'arrière. Vous regardez devant vous. Ramenez les bras devant et vous remontez. Descends, ouvre. Dégage la cage thoracique, fais péter la poitrine. Regarde bien loin devant toi, remonte. Une, je descends, j'ouvre. Ramène, monte. Allez, encore. Ça fait quatre. Continuez. Je baisse un petit peu mon retour parce que je m'entends bien trop.
Allez, vous montez encore. 8. Descends, ouvre. Remonte. 9. Descends, ouvre. 10. Descends, ouvre. 11. Descends, ouvre. 12. Descends, ouvre. 13. Allez, encore. Allez, on se challenge encore. Encore, encore. Coucou Véronique, j'espère que tu vas bien ainsi que toute la petite famille. Le dernier, on ouvre. Alors, je vous souhaite tous mes voeux de bonheur, hein, à toi, à toute la famille, à Jean-François et aux filles. On change de côté maintenant les enfants. On descend. On descend, on ouvre la ceinture scapulaire, donc la poitrine. On referme devant et je pousse. Voyez bien, quand je pousse vers l'arrière, ma jambe avant, toute ma chaîne inférieure est tendue, l'ischio, le quadri aussi. D'accord? Je descends, je travaille sur mon ischio-jambier, je dégage ma cage thoracique, je referme et je remonte. Allez, c'est parti. Descendez, ouvrez. Remontez. Descendez, ouvrez. Remontez. Descendez, ouvrez. Remontez. Continuez, moi je vais changer de bâton. Parce qu'on a des gens qui viennent en cours, ça fait 8 hein, seulement, et qui se disent, nous on n'a pas de bâton de marche nordique, mais vous allez voir, on peut faire avec tout ce qu'on a. Continuez, ça fait 10. Continuez, ça fait 11. Continuez, ça fait 12. Continuez, ça fait 13. Continuez, ça fait 14. Allez, le dernier. Et là, ça fait 15. Bravo. Super. Alors, les amis, moi je remets mes bâtons en location ici. Vous voyez? Et je vais reprendre l'activité avec ce que j'ai à la maison. D'accord? On ne pourra pas dire que le coach, il ne pense pas à nous. Ok. Ici, on va se mettre en position flexion. D'accord? Ici, on ne va pas gayer à droite. Une fois à droite, on va rester en isométrie. Ici, je vais toujours sur ma droite. Ok? Je vais sur ma droite parce que je veux tourner à gauche. On imagine qu'on est en Ardèche et qu'on est deux personnes dans le kayak ou tout seul dans le kayak. Et là, je veux tourner non pas à gauche, mais à droite. Je vais tourner à droite. Et là encore. Le virage est très très loin, très très grand. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à ballon pont d'arc. Eh bien, les virages sont très grands. Allez, on va ralentir, on va ramener en arrière à gauche, à droite devant, en arrière à gauche, à droite devant, en arrière à gauche, à droite, en arrière à gauche, à droite devant, en arrière à gauche. On appelle ça de la synchronisation. Je vois que ça rigole un petit peu dans la maison. Oui, bon, on en a un petit peu marre de tourner à droite. Eh bien là, je vois qu'il va falloir tourner à gauche, seulement à gauche. C'est parti? Allez, le virage est très très grand. Attention, on est toujours fléchi, on est toujours fléchi sur ses ischios. D'accord? Allez, c'est parti. 1, 2. Allez les filles, on y va. 3, 4, 5, 6. Je dis bien qu'on est en kayak et non pas en canoë. Vous allez comprendre pourquoi. Coucou les amis belges qui sont présents. Merci Ludivine d'avoir souhaité mon anniversaire. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment du bonheur. Attention, maintenant je tourne à gauche et je vais en arrière à droite. Je tourne à gauche, en arrière à droite. Je tourne à gauche, en arrière à droite. Alors quand je tourne à gauche, je vais d'avant en arrière. Et quand je vais en arrière, je vais d'arrière en avant. D'avant en arrière. D'arrière en avant. D'avant en arrière. Dans l'autre sens. Encore. Attention, les genoux sont fléchis. Encore. Encore. Coucou Sophie. Bienvenue. Allez, encore. On calme. Ok. On relâche, on souffle. Vous soufflez un petit peu? Très bien. Alors, je vous disais que là, on était en canoë.
Très très bien, en canoë-kayak. Maintenant, on va se mettre en position canoë. Regardez bien. Pied droit devant, jambe arrière tendue, légèrement fléchie. Maintenant, on se trouve à deux et on pagaie. C'est parti pour 15 fois. Une, deux. Alors, on ne lève pas son bâton, on le met bien la rame dans l'eau. Une, deux, trois. Je crois que de ce côté-là, mon sol va être lustré. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Attention, la jambe arrière est un peu fléchie, les enfants. On est comme si on posait le genou sur un socle. Hein. Alors, continuez. Je vais vous montrer. Je vais mettre un socle ici. Voilà. Allez, voilà. Vous imaginez que dans le canoë, on a une... Salut Sébastien. Ici, on a une... On a la partie où on va s'asseoir et on va pagayer. On est prêt? 15 fois. 1, 2, sortez la pagaie de l'eau. 3, sortez la pagaie de l'eau. 4, 5, allez chercher loin devant, loin derrière. Ici. Encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous êtes en isométrie. 10. 11, 12, 13, 14, on y retourne une fois. On change de côté, parce que là, j'ai fait les explications. La jambe arrière fléchie, on plante un bâton dans l'eau et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore, encore. 8, 9, encore, encore. 11, encore, encore. 13, encore. Oui, très bien, vous soufflez. Alors, on va boire un petit coup durant quelques instants. C'est maintenant tout de suite, vous me mettez des pouces, vous me mettez des cœurs, vous me faites un petit commentaire, que je puisse voir qui est là. Coucou Sébastien, bienvenue, bonjour Laurence. Salut Sophie, tu feras un gros bisou à Philippe. J'espère que vous allez bien. Mes amis, mes amis de Cap-Breton, à nouveau, hein, du bel endroit. Donc voilà. Alors je rappelle, hein, pendant que vous buvez un coup... Donc l'Urban Training, pas possible de reprendre les cours puisque j'ai besoin d'encadrer 5 personnes pour un coach. Et comme on est plus de 5, alors je ne peux pas faire de discrimination. Pour les gens de la cascade, eh bien on commence samedi, sachant que j'aurai 3 animatrices marche nordique et moi. Donc ça fera 4 personnes, 5 x 4, 20 personnes qu'on va pouvoir encadrer. Nous n'irons pas au Montbard comme j'ai marqué sur le site internet parce qu'il est HS, donc on ira à Côte-aux-Jouvent. Voilà, donc pour l'instant, malheureusement, je suis désolé, on ne va pas pouvoir courir. Mais je vous programme quand même, pour mes amis de l'Urban Training, une séance course à pied dans mes cours un mercredi soir. Ok, jambes fléchies, on tend le bras à droite, 15 fois à droite, une fois, 2, 3, encore, 4, 5, 6, challengez-vous, 7, 8, tendez bien haut. Encore, encore, encore. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je change de côté. 1, 2, allez, encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention. 11, 12, 13, 14, 15, attention maintenant, regardez bien. Ici, bras tendus, coup de genou. Coup de genou. 15 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 encore. 14,
de côté, tout de suite. Bras tendus. Une, deux, trois, quatre, cinq. Encore, encore, encore. Emmenez le genou au bâton ou au balai, comme vous voulez. Encore. On se challenge encore. Encore. Encore, les enfants. Ok, allez. Vous soufflez, vous marchez doucement. Doucement. Alors, on va travailler maintenant sur la sangle abdominale. Vous savez, je suis friand de ce genre d'exercice. Ici, on va se mettre à nouveau en demi-squat. On va prendre nos bâtons devant nous. On va ouvrir une fois à gauche, une fois à droite. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Allez, c'est parti. Une, ça fait qu'une. Deux, descendez. Trois, descendez. Si vous pouvez en faire moins, faites-en moins. Je préfère toujours la qualité à la quantité. Encore. Encore, les enfants. Encore. 8. Encore. 9. Encore. 10. Oh, ben, il y en a qui comptent à ma place. Moi, j'aime pas tellement ça. Hein. C'est moi qui compte. C'est moi le coach. Hein. Je crois qu'on était à 9. Ça vous apprendra à tricher. 10. Encore. Attention, vous êtes genoux fléchis, là, les enfants. 11. Encore. 12. Encore. 13. Encore. Et 15. Vous soufflez. Vous soufflez, vous relâchez vos épaules. On va passer des bâtons ici avant-arrière, jambes fléchies vers l'avant légèrement. Et on tend les bâtons avant-arrière. Allez, c'est parti pour 10 secondes. Et là, on va réellement faire un exercice un peu plus difficile. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Attention, le même exercice, sauf que cette fois-ci. Maintenant, on va le corriger. Jambes fléchies. Genoux, bras pliés. Et ici, on emmène simplement à la longueur de nos triceps. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, descendez plus bas, 10, 11. Alors je vois qu'il y en a qui trichent, qui ont mis une chaise derrière les fesses. N'est-ce pas Jean-Pierre? Tu crois que je ne te vois pas depuis là? Et on relâche. Super. Allez, maintenant on va travailler sur les triceps. Les triceps, je rappelle qu'ils se trouvent derrière les bras. C'est parti. Ici, je monte des petites tractions, simplement. Des petites tractions, elles n'ont pas des petites 203. Jeu de mots. Bras tendus. Plateau pelvien bien verrouillé. Ici, on va monter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous restez en isométrie 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez, vous soufflez. Très bien. On va partir maintenant en squat. Bâton vers l'avant. Isométrie. Je remonte. 1. Je tends mes bras devant moi. 2. Descendez. 3. Le dos bien droit. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, on reste en bas 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, attention les genoux, pas vers l'avant, plutôt vers l'arrière, 9, 8, descendez les fesses, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vous remontez. Allez, on relâche maintenant les articulations supérieures. Allez, relâchez bien les épaules. Relâchez bien les épaules. Ici, vous laissez aller.
Encore, on aura enchaîné quelques exercices les uns derrière les autres. Laissez aller. Laissez aller, laissez aller. Laissez aller. Allez. À droite et gauche dans l'autre sens. Un peu de coordination. Allez. À droite, j'emmène vers moi et à gauche, je vais dans l'autre sens. Allez. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Dans l'autre sens maintenant, la droite en extérieur, la gauche en intérieur. Allez, encore, encore. Vous voyez bien ? Allez, encore. Encore, on délie les épaules et on délie les épaules. Allez, on délie les épaules encore, 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 encore. Très bien. Maintenant, on va embarquer le bras gauche à droite et le bras droit à gauche. Ici, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Encore. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Très bien. Alors, l'exercice suivant, Isabelle, notre animatrice marche nordique, appellerait ça le petit marocain. Ici, on va s'asseoir en isométrie sur simplement plante de pied bien posée au sol et je vais descendre en isométrie. Mes bâtons sont larges. Je fais le lotus ou le petit marocain. Allez, on ouvre la cage thoracique, on regarde bien devant soi. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ouvrez bien. Sept, descendez. Huit, descendez. Neuf, descendez. Dix, vous m'attendez en bas. Dix secondes. Neuf, huit, ça commence à chauffer. Neuf, huit, sept, six, cinq, quatre. 3, 2, 1, vous remontez à la force de l'ischio-jambier du quadriceps. Ici, vous mettez votre jambe gauche sur le genou droit. À l'inspire, vous descendez. Les deux bras sont tendus. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 et 15. Et vous relâchez. Vous relâchez, vous soufflez maintenant. Alors, bien sûr, après tous les exercices, on va se relâcher. Buvez un coup. On va se relâcher, on va se détendre. Pour pouvoir bien ventiler, vasculariser tranquillement. Ici, on va écarter les jambes. Et on va laisser filer le dos en arrière. Comme ceci, les bras tendus vers l'avant, les fesses en arrière. La tête à l'intérieur des épaules. Et là, vous soufflez bien. Les jambes sont bien tendues. Vous soufflez bien. Alors, pour tous ceux qui ne seront pas connectés pour faire l'exercice, vous pouvez me mettre des pouces, des cœurs, que je puisse voir s'il y a du monde avec nous. Relâchez les épaules, relâchez la tête. Une, deux, trois, quatre. 5, 6, descendez le plus bas possible. Si vous ne touchez pas le sol, ce n'est pas grave du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, relâchez vos têtes. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous relâchez, vous remontez gentiment. Remontez gentiment. Alors, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, on va poser ses bâtons ou ses manches à balai sur les paumes de main et on va faire revers de main. Paume de main, je vais prendre les autres bâtons pour que vous puissiez bien voir et comprendre. Je mets mes bâtons sur la paume de main. Je retourne revers de main, paume de main. Revers, donc biceps, triceps. Biceps, triceps, je me mets de face, je relâche. Je suis sur mes paumes. Je suis sur mes revers. Paume, revers. Paume, revers, encore. Allez, mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs, montrez-moi que vous êtes là et que vous regardez au moins la séance. 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va passer au lavage de dos. Vous prenez votre bâton au niveau de votre poignet, vous la mettez dans le dos, ici. Et là, je vais me laver le dos durant 15 secondes avec le bras droit tendu en l'air. Le bras gauche qui tire le bras droit. Bras droit en l'air, bras gauche tendu, main droite tendue, main gauche tendue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On passe le bâton à la main gauche, ici. Si ça vous est difficile, passez autrement. Mais sinon, comme ceci. C'est tout de suite un indicateur. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La main en bas, tendue, fléchie, tendue, fléchie, tendue. La main du dessus, tendue, fléchie, tendue, fléchie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On ramène les bâtons vers l'avant. Très bien. On va s'étirer maintenant gentiment. On va mettre ses bâtons en bipied, comme ceci, la main droite sur le sommet des bâtons et on va prendre le pied droit. Je vais emmener le genou à la hauteur de mon genou. Et je vais rester bien droit. Regardez bien loin devant moi. 1, 2, 3. Le genou est à la hauteur de l'autre genou. 4, 5. Attention, on n'est pas recroquevillé. On se tient bien droit. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Très bien. On change de côté. Ici, c'est la main gauche qui est au sommet des bâtons. Et le pied droit qui vient dans la main droite. Le pied gauche qui vient dans la main droite. Vous aurez rectifié. Genou, genou. On se grandit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je tombe parce que, à force de récurer, vous avez vu, mon sol est vraiment tout, tout propre. Voilà, je vais poser mes bâtons. Maintenant, pour vous dire que c'est la fin du cours, que je vous remercie infiniment d'avoir été présent, que je vous remercie de m'avoir souhaité mon anniversaire, d'avoir participé à la cagnotte de mon Dixit Coluche, qui est ici, d'ailleurs je vais vous le montrer. Et puis, je rappelle à tous les gens de la cascade que les cours de marche nordique vont reprendre donc ce samedi, mais non pas au Montbard, mais à Coteaux-Jouvent. Je vais vous envoyer un mail pour ça. Je remercie toutes les nouvelles personnes de MyWeb TV, donc, qui est donc une belle initiative du conseil départemental du territoire de Belfort. Branchez-vous, MyWeb TV 90, et vous allez voir pléthore d'informations, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur nos commerces, qu'on ne doit pas oublier. Je rappelle aussi qu'on doit faire un geste envers nos amis commerçants et restaurateurs. Les commerces de proximité, allez les aider. Vous n'êtes pas sans savoir également que moi je suis friand de mes amis restaurateurs qu'ils font aussi des plats à emporter d'excellente qualité. J'en ai fait déjà quelques-uns, hein, que ce soit pour la Gazelle d'Or, que ce soit pour l'ami, non pas Ricoré, mais l'ami de la Gazelle d'Or. Et vraiment, vous pouvez avoir pléthore de magasins qui sont ouverts. Et allez réellement les aider si vous pouvez. Voilà, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous rappelle que ce sapin de Noël, il a été fait 15 jours avant Noël et on est le 20 janvier et il n'y a pas une épine qui est au sol. Voilà, gardez le sourire, gardez le moral. Vous savez que pour m'écouter, vous pouvez vous connecter à 8h40 ou 18h40 ou bien
en podcast sur Coach Kader pour avoir une thématique différente tous les jours sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, sur le sport. Le sport avant 50 ans, le sport après 50 ans. Voilà, il y a pléthore de thématiques complètement différentes sur tous les sujets. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir été présent ce soir. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, ici, chez moi, pour faire une nouvelle séance. À bientôt, mettez-moi vos commentaires, mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs et je vous embrasse. Merci à vous. Ciao, ciao. Merci à vous. Alors, comme promis, pour ceux qui sont encore là, comme promis,